original. Origigi. Original. Ah, vous répondez aux gens plus que moi. Hein. Quand les gens veulent témoigner, on dit Origigi là. Vous répondez plus que ça. Moi, j'ai fait quoi? Origigi. Original. Original. C'est Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie parce que le jeûne que notre Père a instauré, c'est comme pour moi, le jeûne a été instauré. Acclame encore très fort Jésus. Bon, je suis électricien, monteur, prestataire à la SBE. Et depuis un certain moment, vous-même, vous savez que quand il y a des changements dans les entreprises, et le nouveau qui vient, lui-là aussi, ses prescriptions. Ce qui fait que nous, certains prestataires, nous sommes restés à la maison depuis un bon moment et ça a été du catastrophe. Et même cette semaine, ça a été vraiment, vraiment difficile. C'est le Dieu de Origigi qui nous lave et que quand on nous voit, on pense que c'est bon. Ça, c'est déjà une grâce. En quelque sorte, de Maori, de l'Ombaoui, nous, mais quoi? C'est du Membaouisme. Acclame très fort Jésus. Donc, pour le jeûne, c'est le mercredi soir, je suis venu. Et difficilement, je suis venu. Il y a certains frères que j'ai appelés parce que je ne voulais pas manquer. Et ils m'ont aidé, je suis venu. Le mercredi, on a fait la prière, on a jeûné. Et j'ai dormi ici parce que je voulais coûte coûte participer. Donc, si je n'avais plus le moyen de rentrer à la maison, je suis obligé de dormir dans le ministère jusqu'à la fin du jeûne pour pouvoir participer. Et le jeudi matin, vous allez constater ceux qui sont venus que j'étais assis ici. Et un bon moment, je suis parti dans la chambre là-bas pour prendre un appel. Donc, quand j'ai posé une question à notre père, il m'a répondu. Et après la question, après ma satisfaction, mon portable vibra dans ma poche. Donc, comme je n'avais pas l'habitude de décrocher les appels, j'ai vu que c'était un numéro inconnu. Donc, j'ai dit d'accord, bon. Je suis allé là-bas, j'ai décroché le portable. J'ai dit, la personne a dit, Syriac, tu es où? Je dis, ah, je suis jusqu'à Kokodji maintenant. Hein. Il a dit, est-ce que tu peux venir maintenant tout de suite à Calavi? Je dis, il y a quoi encore? Actuellement, là, je suis à la maison. C'est l'argent que je cherche. Tu veux me donner de l'argent? Il a dit, ce que j'ai pour toi, là, c'est plus que l'argent. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de... Acclame très fort le ressuscité. Merci, Père Jésus. Donc, je suis venu, je suis assis. Il m'a encore rappelé, il me dit, mon frère, il faut vite venir. J'ai dit, mon frère, ce que je suis en train de faire là, si je ne finis pas, je ne peux pas venir là-bas. Il a dit, d'accord, je peux t'attendre jusqu'à... À combien de minutes? Je dis, 30 minutes. Et à la fin, il y a une soeur qui m'a remarqué. Et je ne sais pas quel Dieu l'a inspiré. Elle est allée jusqu'à me déposer chez moi. Rapidement, je me suis changé, je suis allé. Donc, arrivé là-bas, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et j'ai demandé au gars, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, souvent, quand on nous appelle, on emmène nos épis, c'est-à-dire le casque, les bottes, on a les chaussures de sécurité. J'ai dit, mon frère, est-ce que je vais amener casque, gilet et chaussures de sécurité? Il a dit, non, ce que tu as là, il faut venir comme ça. Je suis allé là-bas, il m'a donné les épis, j'ai porté. J'ai dit, mon frère, je ne sais pas ce qui se passe, tu peux me dire? Il a dit, d'accord, il y a un projet d'implantation de près de 600 poteaux électriques. Donc, on veut 4 personnes pour se mettre sur le projet. Et quand on m'a appelé, je t'ai appelé pour que tu me secondes avant que le travail soit... Regardez ça! Il faut demander à ton frère, est-ce que tu as pu faire jeûne là-même? Le frère dit, non, viens, tu ne me dis pas de mal. Donc, je n'ai prié, tu ne me dis pas de mal. Donc, mercredi, je vais tomber, viens. A kauli emi bo e ku so ya kaho akwa rami e mo ba mi yo me bi lo kwe gbe fi bi lo mi don de wu mi se de ma amisa bon ablo jeune vovo to mercredi o me de le tin ko ka san de mi ba mi ko papa pa bo afi be fo prie mercredi soir emi le lancer emi le kaho de bi o fi bo ta di na si on emi tro lo lo bon a lo kan je je ndoji. Et mi mon nom, et mi la mette kai me lo bo yom ye. Mi ka odo lo do repeto mi to mi ngulan kode ya. Be mi je to mo ye bero. O siriaku fi ja de wa mo mi troloji. Be mi je to po we yo. A so ko lo te po mi mo. E mi ka do chômage me dai. Chômage chronique. Acclame très fort Jésus. Donc, comme ça là, tu as eu emploi. D'amusement. Facilement même. Wow. Qu'est-ce que tu as dit à tous ceux qui te regardent? Bon, moi les mots me manquent, je ne sais pas ce que je vais te dire parce que tu as déjà écouté ce que Dieu a fait pour moi. Donc je ne suis plus obligé de te dire de venir prendre pour toi. Toi-même tu sais que si tu viens ici là, tu auras pour toi. Donc toi qui me regardes là, surtout je veux parler à nous les musiciens là
qui nous voit ici et vous pensez que c'est mamie on est en train de faire ici là. D'accord. Même si c'est mamie là, il faut venir voir si c'est mamie. Parce que vous, le jeudi, j'ai posé une question ici, Daddy m'a répondu. Venez vous aussi là, vous allez voir si c'est mamie. Acclame très fort Jésus. Merci beaucoup frère Syriac. Lorsque vous travaillez pour Jésus, vous devez aussi vous chercher. C'est dans ça que vous voyez la récompense. On ne travaille pas pour Jésus. On dit il faut qu'on me paye un salaire. Tu te sacrifies. Quand tu te sacrifies, Dieu te positionne. Il te récompense. Il ne t'abandonne pas. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Avec foi. Vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Je prophétise. Va de gloire en gloire. Ah ouais. Tous ceux-là qui disent que vous jouez pour démons, on va se retrouver au ciel. Les gens seront choqués au ciel. Ils seront choqués de voir que ceux-là qu'ils ont appelés démons sont ceux-là les plus privilégiés. Original. Nous ça gazo le pour la monte pour pièce les bonus ça boy do que yenize moto boa alada mon ah naze moto e kun be wo zanre do yen jo moto re yaze yen jo moto do emi le suru moto na se de we na be e bidon le boy na do amero ton bo le kun esi on ku sin ze moto ye ton moto de yen do yen naze ke ni jo moto ton do bon yo chauffeur che o mi be agba moto mi bon ze 500,000 den ko ngbe troll yo nje pe bo ko de pour ma origi ton a jen konu nu agban jen ya sam gbonu gbo mai ma mo agban nu ma ya agban ma ori ton level komi ra yo ji bon ma wa ri po akoje po bo mi ri ale yo bo mi je ale pawo mi se do moto bo ri ale da chan bo ro ye kaka se da pel ye bo da pel bo da pel ye gbe chauffeur e o fi a do mi o tun fi o ma so ya pel moto mi de o fa pel o do e do e o san re do a pel ka wa mi jara da ro 22h30 mo bo ji ka re ja e bo chauffeur o a ni mo o fide do mi kun se moto fi o mi la se moto fide bo bo to se moto ro ko mi no te pin mi mi jawe bo ja pe yi de ton moto mi o mi de yen sun to se moto mi chauffeur ton chauffeur moto ino fide bo bo mi na pon ye mi na bi de wa moto ko mi na mo mi le ko chu bo mi na ko do yi bo yin mi de ton wo fide bo fi emi de o me ja blo no ha mi o mi o ko ro fi o bo me de o ton wo ya bo do me do yo e e ka ton mi de wa agbon igbe a bo do me do ro ko ni no te pin ni ku tan yi pe ni o zero e mo chobo mi na e na mo ni o te pon yi ni ma ti o do pressing yi o bo do ho do ka bo don chauffeur ro ko e mo a chauffeur yin na be do yen do sa gbe do e e te ka fun gbe do e bo en ti bo e o zero e mo e mo e do ya agba ko ya yen se ko wa bo e o ko ro port tap cheji o kan ka be ko bi ni chauffeur ro ni 500 million bo do mi ni yi bo no e o ma mo agba ko sin de kweto e do yen ni bo wa mi na bo no e o me nja dagbon mi o wa we zan le pon papa ko yen ni wa agban ja yekun agban wa me ina do sin do bidon menu e bi bo ina mo si on le brazi ko ejo yen gbo ina hu yen ke country fire aya bo papa do yen ma se ko ejo wa o bo don so ti bo mi ni edo yen kunan yo bo ra yen o ja ho nche kun so ba agban mi ni edo yen kunan yo bo nu ma ya ke na yo po nkin to wa ina wuli edo yen pe wa ji bo yen pe o edo ke ya bo mi no fini za so fo mi ni bọ́dọ̀ mi kúnna yìí omi náà tẹ̀wẹ́ àgbà ọjà wẹ̀ mo yẹn dọ́ọ̀dẹ̀ bọ́nà ẹ̀wọ̀ mi náà yìí pọ̀jùbọ́dọ̀ ní bá bẹ̀ mọ́tọ́ mi hà mi bó jẹ́ fílẹ̀ mi hóyọ̀ à kó eminazi kọmísẹ́rìà bọ́ọ̀ kó domi méjì ayé pọ̀n ẹ̀wọ̀ yà pẹ́ẹ́rẹ́ zan alẹ́ pọ̀tàbì tó ti bóyé pọ̀tàbì tó jẹ́ mẹ́lẹ́ yọjí pọ̀ mo yẹ
Alors, mais à Jotoy, il y a un peu de temps. Je l'ai libéré de la mort parce que c'est un autre système que les Zandakeurs utilisent aujourd'hui pour détruire plusieurs vies. Il dit, il était à la maison quand un ami avec qui il fait des affaires, ils ne font pas le même commerce. Mais l'ami est venu vers lui pour lui dire, j'ai des gazouels à te livrer. Donc viens m'accompagner au niveau d'Alada et on ira voir le fournisseur. Mais en partant, il faut amener 500 000. Une fois là-bas, on va te donner la marchandise et tu vas remettre les 500 000. Il dit, d'accord. Il a pris les 500 000. Avant de prendre départ, il s'est ajourné. Il a dit, le Dieu de mon père, que ta main divine soit sur moi. Je veux partir, revenir. Si cette affaire n'est pas une bonne affaire, que c'est de l'arnaque, il faut que tu me le révèles et tu me tires de la situation. Que le pire ne m'arrive pas. C'est comme ça qu'il a pris le chemin. Il dit, l'intéressé qui est venu, son ami là, faisait que des appels sur appel, appel sur appel. Et le chauffeur lui a dit, ne fais plus ça. Si tu fais ça maintenant, on va se retourner. Malgré ça, il a persisté. Ils sont partis à la date vers 22 heures quelque chose. Quand ils ont garé le véhicule quelque part, eux, ils étaient sortis. Les gens qui voulaient commettre le forfait, genre, les détruire, peut-être avoir l'argent et les tuer en plus, qui sait. Parce que le monde aujourd'hui n'est plus ce que l'on pense. Le monde est rempli de la méchanceté. Donc ils étaient à côté quand l'autre a en train de faire appel pour dire il faut les garder jusqu'à 01h. À partir de 01h, on va gérer leur cas. Ils ont écouté ça. C'est comme ça, ils sont revenus vers le véhicule. Ils ont dit non, maintenant on va rentrer. Et c'est là un vieux leur a dit, il faut rentrer parce que quoi, il y a une chose que les gens font ici plutôt, c'est qu'ils mettent de l'eau dans des bidons sous forme de gazouel, on te remet. Maintenant, si tu ne donnes pas l'argent, on va te tuer et prendre l'argent en plus. Donc tu es obligé de prendre de l'eau à la place de gazouel. C'est Dieu origine qui est avec lui. Sinon, peut-être qui sait, on ne serait pas en train de parler du frère Didier Agbo aujourd'hui. Il est là pour rendre grâce à Dieu parce que le Dieu de notre Père lui a donné la vie. Il est revenu avec son argent, 500 000 à notre temps. Il est là pour bénir le nom de notre Père. Le Dieu de notre Père acclame très fort Jésus qui a fait ses merveilles dans sa vie. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a d'autres qui sont dans ces affaires-là. On leur montre à tout moment. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Une information pour qu'ils soient aux aguets, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Oh, il y a d'autres qui sont là. Mi wo ngbe fide wo ti a kibe mi ko yo mi no ho de bon je ko le bon ze origi o ma o do ali o ji bo je no la le o sino nu ma ko de joa bo yo ma o papa tan bo je o la le o a ina wo mona le ko ti fata bon a besi 500 ni wa ko bon a ko ti fata a quand très fort Jésus dit même si tu veux aller au marché n'importe où avant de partir faut prier demander la grâce qui est sur la vie de notre père que son sang te couvre afin que tu ailles et que tu reviennes sain et sauf a quand très fort Jésus merci beaucoup. S'il ne se prenait pas au sérieux pour Jésus, il sera athée. Là, sa prophétie ne va plus s'accomplir. C'est terminé comme ça. Mais le diable est un bâtard. Tu n'es pas un poulet dans le poulailler de quelqu'un. Amen. Amen. Il y a des réseaux dans ces zones-là qui escroquent les gens. Amen. Amen. Mais Dieu va les mettre à nuit. Amen. Tu ne tomberas pas dans les pièges. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Témoignage permanent. On est dans mon soin. In Jesus' name.